Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Sophie Garel, Annie Lemoine, Stéphane Coquerin, Jean-Bernard Hébert, Perry Cochin, et Stevie Boulet. Avez-vous noté les beaux boutons de manchette de Stevie, hein? Oh là là. Qui servent à rien. Ils servent à rien. Mais peut-être, c'est... mais ils valent très cher, c'est des rubis, chérie. Quand tu les auras, tu pourras c'est en parler. Rubis. Je connaissais l'expression payer rubis sur l'oncle, mais rubis sur tante, j'avais jamais vu. Je porte plainte. Je porte plainte contre toi, contre homophobie. Pour homophobie. Je sais pas où je suis allé la chercher, celle-là, mais alors... Très loin, très loin. Ça vous fait rire, ça, vous, alors. Ça, oui, ça, c'est drôle. Non. Non. Cela dit, ça introduit l'émission. C'est toujours ça de gagner pour l'émission. Ça vous va très bien, ces petits boutons de manchette, mon petit Stevie. C'est une émission gay, ici. Mais... Ça va, mon petit Stéphane. Vous avez maigri, mon petit Stéphane, je vois. Non. J'ai suivi vos conseils. Non, c'est juste qu'il n'a pas de veste aujourd'hui, qu'il fait moins carré. Non, c'est non, tout. De visage, je vois bien, il s'est affiné, notre petit Stéphane. C'est le poids des soucis qui pèse sur mon existence. C'est vrai. Voilà. Ouais. Vous mangez pas tous les jours à votre faim. Non, c'est pas exactement ça, mais j'en profite pour lancer un appel. S'il y a en France quelqu'un qui m'aime, c'est le moment de me le dire. Oh mon Dieu! Mais quoi, ta femme t'a quitté? Ça, c'est vrai? Bon. Non, sans déconner, elle s'est tirée? Tu crois vraiment que c'est cassé, je le dirai à la télé? Je sais pas, des fois, tu sais, on est tellement au fond de la cuvette qu'on peut dire n'importe quoi. Regarde-moi! Non, on dit au fond du gouffre, pas au fond de la cuvette. C'est autre chose! Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle du parcours du Dakar 2005 qui a été dévoilée cette semaine. Voilà, on voit par où ils vont passer avec leur grosse voiture. Et François nous dit d'ailleurs que cette année, une fois de plus, il y a de fortes chances de victoire pour l'équipe Mitsubishi, l'équipe japonaise. D'ailleurs, pour ça, maintenant, j'ai compris pourquoi on refile tout notre Beaujolais aux Japonais. Parce que boire ou conduire, la foire qu'ils choisissent. Voilà. Il n'y a qu'aux Japonais qu'on arrive à refiler notre Beaujolais. Oui, mais non, c'est pas vrai. Pourquoi? Oui, mais... oui ou non, alors? Non, parce que je réfléchissais au Paris-Dakar et vous m'avez surpris en me relançant sur le Beaujolais. Ah, bon. Alors, sur le Beaujolais est excellent. Mais alors, le Paris-Dakar, je comprends pas même pourquoi on en parle encore. S'il y a des gens qui aiment le Paris-Dakar, c'est quand même un truc carrément con. Cette apologie de la bagnole qui traverse le désert, les trucs comme ça. Chaque année, ils écrasent des mômes et tout. On devrait arrêter cette course. Oh, ils écrasent pas des mômes chaque année. Non, mais il y en a beaucoup en plus, des mômes. Allez, il est temps de passer à la revue de presse, les dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Regardez ce dessin de Riz dans Charlie Hebdo qui nous montre Sarko qui élève le niveau après la France d'en bas, la France d'un mètre cinquante. Je dois dire. Ouais. Je dois dire qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à Nicolas Sarkozy, sauf sa petite taille dont il n'est absolument pas responsable. Ah, là, là. Voilà. C'est pas solidarité. Il fait la même taille que toi. Non, moi, je fais au moins 1m55. Voilà. En tout cas, la guerre Sarkozy-Chirac a été relancée cette semaine. Ça a beaucoup inspiré les dessinateurs. Luz, par exemple, dans L'Humanité, qui nous propose une nouvelle génération de portables dans la main de Chirac. Et on voit la tête de Sarkozy qui fait 2007. Monsieur Sarkozy, qui va devoir quitter le ministère de l'économie, Bercy, pour prendre la tête de l'UMP dans le Canard enchaîné. Cabu nous le montre, en train de faire ses valises, en train de quitter Bercy. On voit Sarko qui dit « Je croyais qu'avec la trêve hivernale, les expulsions locatives étaient suspendues. » Dans le Canard enchaîné, le Fred Touron nous rappelle que le président n'est pas prêt de prendre sa retraite politique. Il se voit même encore président en 2012, d'après certains. Peut-être qu'il veut même inaugurer les Jeux Olympiques à Paris, allez savoir, dit un conseiller. L'autre fait, et même qu'il voudra peut-être participer aux épreuves de natation dans la Seine. Dans le Canard enchaîné, le dessinateur Pétillon revient sur les obsèques de Yasser Arafat. On voit quelqu'un devant la télé qui regarde toute cette foule et le commentateur qui dit « Une foule immense se presse ici à Ramallah ». Et la dame qui rentre des courses dit « On se croirait chez H&M ». Parce qu'il faut le rappeler, c'est la légende de ce dessin, la collection Lagerfeld s'est arrachée chez H&M en combien de temps, Stevie? Quelques heures. En quelques heures. Sauf à Londres.
Ah bon, pourquoi à Londres? À Londres, parce que ça a mis un peu plus de temps, ça a mis une journée, je crois. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est le siège de H&M qui reprocherait à Karl Lagerfeld que la collection ne soit pas partie plus vite, enfin, pas assez vite à Londres. Alors quand même, vendre une collection en une journée, c'est quand même extraordinaire. Jamais un magasin n'a fait Merci ça. Merci pour ce commentaire sur le conflit israélo-palestinien. Oh, déchiré. Allez. La disparition de Yasser Arafat, toujours par Cabu dans Charlie Hebdo. Et là, on est en direct de l'hôpital militaire de Clamart. On voit un militaire qui remet une décoration à un autre et qui dit « Bravo, vous avez éliminé le chef de guerre Arafat en quelques jours, alors que celui-ci avait échappé à la mort depuis 40 ans. » Dans Charlie, Riss s'interroge, soit Arafat, est-ce un nouvel obstacle pour la paix? Et Willem, dans Charlie, nous croque Ariel Sharon pour la suite des événements, puisqu'il n'y a plus Arafat. Maintenant, pas facile de trouver la sortie. On termine avec Philippe Gueluc dans VSD, avec ce chat qui dit de la nourriture pour chat, il y en a à tous les goûts. Bon, il y en a au foie, au poulet, au lapin, au bœuf, au gibier, au saumon, et jamais au goût de souris. Oh. C'est vrai? Cette semaine, Sophie Garel a dévoré le Kefelec. Je veux parler du livre, hein, pas de l'écrivain, attention. Yann Kefelec, vous le connaissez depuis notamment Les Noces barbares, évidemment, œuvre pour laquelle il avait obtenu le prix Goncourt en 1985. Mais certains peuvent se remettre d'un prix Goncourt, la preuve, il en a écrit beaucoup d'autres depuis. Et son dernier livre s'appelle Les Affamés. Il est sorti cette semaine chez Fayard. Avant de laisser la parole à Sophie, qui l'a lu pour nous, accueillons tout de suite donc Yann Kefelec. Bonjour, bienvenue. Nous avons déjà eu la chance de vous recevoir sur ce plateau, Yann Kefelec. Je peux en témoigner. Pardon? Je peux en témoigner. Vous pouvez en témoigner. Oh, je vous entendais pas, dites donc, je pensais que vous aviez une petite extinction de voix. Non, non, tout va bien. Non, non, ça va. Non, ça va très bien. Vous avez une drôle de voix, hein, quand même. Hein. Bon, je ne sais pas, j'en sais rien. Je vais essayer de la ronder au fur et à mesure de l'émission. Vous avez une voix aristocrate, en fait. Pourtant, j'ai rien d'un aristocrate. Bah oui, vous parlez comme ça. Mais c'est bien, j'aime bien. Et Stevie qui les connaît bien depuis un certain temps. Peut en témoigner. Hein. Yann Kefelec vient chez nous pour nous parler des Affamés. C'est un livre de nouvelles. Oui. Voilà. Qu'a lu pour nous Sophie Garel? Allez-y, Sophie. Alors, c'est un livre surtout sur la peur. C'est ce que j'ai noté, en tout cas. Sur la peur. Il y a une phrase que je trouve magnifique qui est dans L'Encollé d'Encola. Il faut le faire, un titre comme ça, c'est « Pour vous, la peur n'est qu'un mot, pour moi, c'est un cri sans fin, sans bruit, que je lance à l'intérieur de mon sang, de toutes mes forces, et qui finira par me tuer. » Car effectivement, il y a beaucoup de morts dans ce film. Dans ce livre, il y a beaucoup d'hôpitaux, et il y a une grand-mère récurrente qui revient. Il y a une grand-mère qui est givrée, il y a une grand-mère qui a fait une fixette sur son petit-fils, mais en fait, c'est sa fille qu'elle aime, et quand la fille se tire, ben, elle laisse tomber le petit. Il y a une grand-mère qui est délicieuse, une grand-mère petit chaperon rouge, enfin, il y a tous les genres. Mais deux nouvelles surtout que j'ai retenues et que j'ai absolument adorées, c'est l'histoire du chouan. C'est une grand-mère aussi, en fait, une grand-mère, une dame de 80 piges en 2004, qui attend depuis 1944 le retour de cet homme qu'elle a aimé, un roast-beef, un anglais en déroute qui venait nous sauver et qu'elle a totalement sauvagement aimé. Et le gars, il a écrit des lettres où il a dit « je reviendrai, tu es aussi, tu es ma chienne, enfin, tu es mon œuvre, je t'aime ». Et puis, enfin, un truc comme ça, il a dû... Il a écrit ça, vraiment? Non, non, mais enfin, il a dû... « Toi aussi, tu es ma chienne », j'aurais pu l'écrire. Mais... Oui, il aurait pu l'écrire parce qu'il y a quelques pages un petit peu coquine, hein, où ça remue un petit peu de la queue. Bon, et alors... non, je parle pour le chien. Et donc... Donc c'est ça, effectivement, cette femme pendant 60 ans attend cet homme, et au moment où il revient, car il revient, ben, une fin dramatique. Mais c'est vraiment des séquences très très fortes, et je regrette simplement que chaque nouvelle n'ait pas fait un livre. Alors... Et ça a l'air... stressant, ton truc. Ah, c'est pas fait pour rire. C'est pas. Attends, il y a des séquences qui sont drôles, mais c'est fort, intense et bouleversant. Bah, vous avez aimé ou pas? Parce que j'ai été frustrée, mais j'ai aimé. Alors, vraiment. Concernant cette frustration, je la ressens moi-même parce que je ne suis pas au départ un auteur de nouvelles. Je suis plutôt un romancier. Et pour moi, ces textes sont davantage des micro-romans que des nouvelles. Oui. Mais autrement, il a plutôt bien résumé l'affaire. Je trouve étonnant même d'arriver à parler comme ça de textes courts, à en tirer leur substantifique moelle comme ça à l'oral. C'est extrêmement dur de parler d'un livre. Et non, franchement... Vous avez le prix de la critique, chapeau, Sophie. C'est pas classique, hein.
À chaque fois que je vous vois, je pense à votre histoire si particulière avec votre père, écrivain, avec qui vous avez un rapport si fort et si conflictuel. Son père écrivait, il voulait écrire. À chaque fois qu'il écrivait, le père déchirait tout. Et ouais. Il y a eu si peu de communication. Ça a été si douloureux, si violent. Ouais. Et je me dis, vous êtes un survivant. Franchement, je m'en sors bien comme survivant. Je suis plutôt... Enfin, j'ai l'impression. Hein. Oui, bien il sûr, avait mais... des excuses, si vous voulez. Il trouvait que je ne travaillais pas assez bien dans l'école. Tout. Donc, il disait s'il veut devenir écrivain, qu'il le fasse après ses études, lorsqu'il aura eu plusieurs agrégations, qu'il aura fait normal sup, etc. Que je n'ai jamais fait. Bien. Stevie ? Ben moi, le personnage, déjà, à la base, m'intrigue. Je sais pas... Il a... Moi, je vois l'aura des gens, tu sais. Il va me prendre pour un cinglé, j'ai rien à dire. Je sais pas, il dégage quelque chose, je sais pas qui m'attire. Ah oui, et vous... Mais quoi? Alors ça, c'est là-bas. C'est la Bretagne, les Embruns. Il vous plaît. Mais non, mais je sais pas, il a un univers, j'ai l'impression qu'il a un univers bien spécifique à lui. Et que dans ses romans, il essaye de nous entraîner dans ses univers. Soit on y rentre, soit on y rentre pas, mais je pense que moi, je rentrerai par la grande porte. Ah, tu nous as fait peur. Non, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à un écrivain que de lui dire qu'il a un univers. Tout écrivain est à la recherche justement de cet univers qu'il pourra indéfiniment explorer bah d'un livre à l'autre. Vous le transpirez en tout cas cet univers. Oh, oh, c'est peut-être ça. Oh. C'est ça ce que tu sens. Voilà, voilà quand même un garçon qui arrive à faire 3 minutes sans savoir qui est Yann Kefelec et sans avoir lu un livre. De Yann Kefelec, faut quand même le faire. Non mais c'est bah ça. Oui, bah je sais pas, je dis ce que je pense. Voilà, c'est ça m'attire. C'est comme un aimant, voilà. Oh. Je suis le Nord, vous êtes le Sud. Oh. Alors là, mais... C'est les électrons. Si j'insiste un peu, il peut encore faire 3 minutes. Hein. Non, mais c'est les électrons. C'est voilà, ça suit le courant. Voilà. Voilà. Et le courant passe bien. Quel dragueur. C'est ce et pourtant, moi, j'ai pas la lumière à tous les étages. Mais si le courant passe... Oh non, hé, messieurs, dames, ovation, ovation. Ah, vraiment, c'est énorme, c'est énorme. T'as raison de te planquer, Laurent, c'est pas possible. C'est énorme. Parfois, je me dis que j'ai créé des monstres. Justement, à vous, Perry. Les chiens à bois, la caravane. Je vous en prie, ma chérie. À l'époque où vous avez commencé à être connue, la critique a été mais terrible sur vous. Ils vous ont mais complètement descendu. Je voulais savoir, est-ce que ça vous a peiné? Est-ce que ça vous a fait du mal? Est-ce que ça vous a... motivé à continuer à travailler et je vois que vous produisez de plus en plus parce que vous avez sorti 2 bouquins cette année. C'est toujours très dur de se faire allumer dans une critique, mais il y a un moment où vous commencez un petit peu à décortiquer la manière dont ça fonctionne. Vous savez très bien quelle est la critique objective et quelle est la critique ad hominem qui vous vise vous physiquement pour vous faire descendre du petit piédestal sur lequel cette même critique vous a jouché quelques années plus tôt. Dire, mon petit pote, ça n'est pas si facile que tu crois, la vie. Donc, le succès ne plaît pas. Voilà, le succès rapide et voyant ne plaît pas en France. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de forme pas olympique, mais je me sens bien sur ma page. On dit tout le temps que l'écriture est une souffrance, que c'est un transe, que c'est une solitude vraiment insupportable, mais il y a aussi une volupté extraordinaire dans le fait de raconter des histoires et de quand même maîtriser. C'est un métier. Parce que quelquefois, c'est la question que je voulais vous poser. Souvent, on demande aux gens pourquoi ils écrivent. Moi, je veux vous demander comment vous écrivez, puisque vous êtes un écrivain plutôt prolixe. Est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Est-ce que vous écrivez toujours dans la même pièce? Est-ce que vous amassez d'abord beaucoup de documentation sur un sujet? Comment vous écrivez? Mon fils Malo, présent dans le public, pourrait vous dire que j'écris comme un écolier. Je suis à ma table tous les matins à 8h30 jusqu'à 13h. Je recommence dans la soirée, après effectivement avoir pas mal vécu dans l'après-midi. Et l'important, c'est d'écrire tous les jours. Nulla dies sine linea, disaient les Latins. C'est indispensable de vraiment garder le contact, de vivre autant que l'on écrit. Mais si vous n'êtes pas inspiré, vous vous mettez devant la page, vous faites quoi pendant de 8h jusqu'à 1h de la... La liste des courses, brocoli... L'inspiration n'existe pas, ça c'est une... Ah bon? Non, bien sûr que non, l'inspiration c'est une vue de l'esprit, c'est une transpiration alors. C'est oui, transpiration bien entendu, c'est-à-dire, il y a un moment où, bien à force d'écrire et d'avoir tourmenté cette page blanche, ou au contraire d'avoir du plaisir dessus, une histoire se met en place, et quand l'histoire se met en place, là, bel et bien, les personnages prennent la parole et le roman se fait de lui-même, ou l'histoire se raconte d'elle-même. Il faut y penser la nuit, il faut ne jamais s'endormir sans penser à son histoire, parce que c'est au moment où l'histoire se fait un petit peu rêve dans la tête, qu'elle finit par exister par elle-même, et vous la retrouvez au réveil, et là, se précipiter sur son cahier, et écrire ce qu'on a pensé pendant la nuit. Merci.
si vous devez conseiller à quelqu'un qui nous regarde de lire pour la première fois un roman de Kefelec, lequel vous choisissez? J'en conseillerais deux. Je prends note. Hein. Allez, on vous les accorde, deux. Les Noces barbares. Le Goncourt. Malgré tout, même si, bon, je commence à crouler un peu sous ces Noces barbares. Et mon dernier roman, Moi et toi. Ah oui, absolument. Ouais. Parfait. Bah, écoutez, voilà, on sait ouais, tout sur vous, ou presque, en tout cas. Merci Yann Kefelec. Non, c'est... Merci. On a pu le constater ces dernières semaines. Le football, hélas, est trop souvent le théâtre de débordements intolérables, voire inquiétants. Récemment, deux joueurs de Bastia ont été victimes d'insultes raciales suite à la défaite de leur club. Et les supporters du PSG, on le sait, ont eux aussi des spécialistes du genre. Ils l'ont encore prouvé récemment lors des derniers matchs face à Marseille, où ils ont caillassé le quart de l'OM, ça c'était à Paris, et déployé aussi des banderoles jugées homophobes. Ces actes font penser à certains que le club du PSG ne mérite pas forcément de toucher sa subvention de la mairie de Paris, subvention annuelle de 3,6 millions d'euros, financés évidemment par le contribuable. L'invité que nous allons recevoir, lui, a tenté de faire baisser cette subvention. Il voulait un amendement sans succès. Il n'a pas réussi à faire passer cette subvention à 2 millions d'euros au lieu des 3,6 accordés au PSG. Cet invité, c'est le président du groupe des Verts au Conseil de Paris. Il fait souvent parler de lui. Voici monsieur Alain Rioux. Monsieur Rioux, bonsoir. Moi, je vais vous dire, je me régale de toute façon avec des hommes politiques comme vous, parce qu'il n'y a pas une semaine sans... Allez, pardon pour cette expression un peu triviale, sans que vous l'ouvriez un peu. Alors là, c'est sur le football. Dommage que Jean-Luc Lemoine ne soit pas là pour défendre le PSG. Mais remarquez, le PSG n'a pas eu besoin de Jean-Luc Lemoine, puisque que ce soit M. Delanoë et M. Tiberis, il y a bien un point sur lequel ils sont d'accord, c'est sur celui d'encourager, de continuer à subventionner le club de la capitale. Ce n'était pas votre cas. C'est-à-dire que nous, nous considérons que donner 3,6 millions d'euros au PSG, c'est trop. On propose qu'on lui donne moins. Avant qu'on arrive en 2001, on versait 46 millions de francs. Je parle en francs parce qu'on était encore en francs. Et il se trouve que c'est une directive de Bruxelles qui a obligé la loi Buffet, de transposer le dispositif pour qu'on ne verse plus que 25 millions de francs. 25 millions de francs, ça fait 3,9 millions d'euros. Et comme la région donne les 0,3 millions d'euros, eh bien le maire de Paris, jusqu'au dernier franc, au dernier centime, veut absolument qu'on donne plein pot au PSG. Vous savez pas ce qu'on nous fait payer au PSG? On nous fait payer la notoriété que le PSG apporte à Paris. Alors comme je l'ai dit l'autre fois dans l'hémicycle, il me semble que Paris est un peu plus ancien dans l'histoire que le PSG. Et si quelqu'un apporte la notoriété à quelqu'un d'autre, eh bien c'est bien Paris qui l'apporte au PSG. Mais nous, on avait demandé il y a un an qu'en plus, enfin en moins si j'ose dire, on donnait 2 millions, très bien, pas 3 600 000, et en plus, compte tenu des fautes, soit c'était un incident, soit c'était une faute, soit c'était un crime ou un délit. Il y a eu d'ailleurs, il y a eu un Antillais qui s'est vraiment fait tabasser très sérieusement. Eh bien, nous, nous disions, pourquoi pas faire des pénalités financières? Et parce que qu'est-ce que nous a répondu Delanoë, l'adjoint au sport de la ville? Il ne faut pas créer des sanctions comme ça. Responsabilisons-les. Les dirigeants du club et les supporters vont finir par comprendre. Ouais, moi je crois qu'ils comprendraient. Ils auraient peut-être davantage compris si on leur disait on va vous prendre au portefeuille. On est scotché là. On bronze pas, on l'écoute. Alors là, vous êtes un bonhomme politique. Écoutez, j'essaie. Jean-Bernard Hébé. En général, je suis violemment opposé à tout ce qu'a proposé depuis quelque temps les Verts, que ce soit la plage avec les quais bouchés, que ce soit les cocotiers rue de Rivoli, que ce soit... Enfin, toutes ces conneries-là, en général, me hérissent le poil. Mais pour une fois, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je suis entièrement d'accord même plus loin. Parce que vous dites, il ne faut pas donner 3,8 millions d'euros, il faudrait en donner 2. Moi, je dis, il faut donner 0. Le budget du PSG, c'est 108 millions d'euros. Ça fait 708 millions de francs. Ça fait 70 milliards. Ce qui fait que si on divise ça par 370 milliards de centimes, ça fait quand même près de 2 millions par jour. Pensez qu'il faut qu'il joue encore Raymond Coppa ou pas? Non. C'est vrai ce qu'il dit. Ça coûte 2 millions par jour. Le PSG se bourre, les footballeurs se bourrent, les entraîneurs se bourrent, Canal Plus se bourre. Je vois pas pourquoi. Moi, je m'en fous en plus, je paye pas. J'habite pas Paris, mais absolument plus un rond pour ces crétins. Péri, allez Péri,
On vous a pas du tout entendu sur les problèmes d'insultes et autres. Justement, avant de profiter des tribunes du PSG pour faire de l'homophobie et du sexisme et s'en prendre à deux joueurs qui auraient quitté. Je peux juste vous interrompre là. Est-ce que c'est, pardon, mais cette banderole-là, est-ce que c'est vraiment grave? Fiorez, tu simules aussi avec DU, est-ce que c'est vraiment grave? Le problème, c'est que ça n'a pas... C'est une nouvelle loi qui vient d'être votée. Non, elle n'est pas votée, justement. Le gouvernement ne l'a pas enfin, mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat. Franchement, mais moi, justement... Il y a eu ça, Laurent, il y a eu des chants aussi. Oui, non, mais... Moi, j'en ai, mais plus que marre, des gens qui considèrent, quelque aussi estimable soit-il, que finalement, une petite insulte, un petit truc, c'est pas grave. Il faut avoir vu l'ambiance dans les stades. Sans déconner. Attends, pour comprendre que quand t'as des gens qui vont au stade en se disant et qui croisent un mec autour et ils se disent on va casser du PD, on va casser du nègre, on va casser de l'arabe, que ce genre de banderole-là, ce n'est que l'expression soft, d'accord, de choses beaucoup plus graves. Ah, ça, d'accord. Non, mais oui, mais c'est ça. Mais ça commence là. Mais vous savez ce qu'a fait les fameux supporters, là, hyper virils et déterminés qui ont déployé ces banderoles. Eh bien, quelques heures avant, ils se sont arrêtés à Avignon. Alors, la Provence le relate. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller se détendre. Hein. C'est Avignon, ils vont prendre un peu d'air. Il dit, on va aller casser du supporter de l'OM. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis, ils sont tombés sur un homme de 50 ans d'origine maghrébine et ils ont commencé à le rouer de coups. Et ça, c'est pas acceptable dans la mesure où, d'ailleurs, le racisme, comme je l'ai dit, le hooliganisme, le racisme, le sexisme, l'homophobie, moi, je dis pas qu'il y a des choses pires l'une que l'autre. C'est le problème des discriminations. Si, pardon. C'est le problème des discriminations qui pose problème. Pardon de vous dire, s'il y a des choses pires, on aurait une banderole. Pardon de dire ça, je parle en connaissance de cause, je suis homosexuel moi-même, je trouve que cette banderole est pas... qu'on casse du PD, comme vous dites, ça, c'est très grave. Cette banderole, c'est pas très grave. Je trouve qu'il y a une banderole très grave si vous mettez sale nègre, sale arabe, sale, ça c'est très grave et ça il faut lutter contre ça. Laurent, ça c'est très grave de vouloir casser. Mais les mêmes qui font ça, ils vont peu importe, on sait pas si c'est les mêmes. Mais ça relève de la plaisanterie, Fiorez, tu simules aussi avec des U. Ça relève c'est de la plaisanterie. Mais Laurent, il y a des années, franchement, Laurent, il y a pas eu que ça. Laurent, il y a quelques années, il y avait des gens qui trouvaient très drôle, ça les faisait tellement rire, ils voyaient des noirs sur le terrain, ils leur jetaient des bananes et c'était juste une blague. Vous pouvez pas comparer ça, ça n'a rien à voir, Stéphane. Est-ce que vous allez en train de dire qu'en fait les mecs qui sont des supporters sont des cons? Oui, ça de toute façon. Je trouve beaucoup plus grave ce qui s'est passé par exemple à Bastia la semaine dernière où deux joueurs d'origine africaine ça a réagi, on le dit, ça a été dit dans la presse, ces joueurs-là ont été agressés de façon raciste à l'issue même de la sortie du stade. Je trouve qu'on ne peut pas comparer ça avec des banderoles où on se moque de deux joueurs qui sont partis en même temps du PSG à Marseille. Et ouais, on dit, ils sont PD, ils sont parisiens. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Quand il y a une insulte, c'est une insulte. Quand il y a quelque chose de plus grave, qui commence par des coups et des blessures, et quand les gens sont dans le coma, effectivement, nous, on dit, effectivement, créons des degrés. D'une façon générale, je trouve très, très bizarre que le politique se mêle du sport. Aussi bien quand il lui donne de l'argent que quand il fait des leçons de morale. Je trouve qu'aujourd'hui, le PSG est devenu une entreprise qui pourrait être cotée en bourse demain, qui gagne de l'argent, qui en perd, mais qui vit sa vie. Et le rapport archaïque qu'il y a entre la ville et le club de foot, parce que c'est bien un rapport archaïque, quand le Marseille, quand le maire de Marseille... Ça remonte à l'antiquité, on préfère que les gens soient en train de regarder du football plutôt qu'ils soient en train de manifester dans la rue. Mais il faudrait couper le cordon, et il me semble qu'aujourd'hui, une entreprise comme le PSG peut se débrouiller très bien sans le financement de la ville de Paris et sans que vous regardiez ce qu'il y a décrit dans les tribunes. Il y a plus d'amateurs de football dans le stade que de gens d'extrême droite. C'est extrêmement important ce que vient de dire Annie Lohmann, parce que ce qui se passe dans les stades, même si c'est une entreprise privée, excuse-moi, il y a plein de mômes qui vont au stade, il y a une espèce de pédagogie du sport, de l'effort, de l'esprit de compétition, toutes ces choses-là, et donc c'est une question sociale et politique absolument essentielle. C'est tellement vrai que pendant des années, les hommes politiques là, c'est ni la droite ni la gauche, c'est tous pareil, ils ont considéré que le racisme c'était affreux partout dans la société, d'accord, mais que quand même dans un stade, c'était un peu moins grave ou quoi que ce soit. Et c'est cette logique-là qu'il faut casser aujourd'hui. Il faut dire que la citoyenneté, ça ne s'arrête pas lorsqu'on rentre dans un stade de foot. Alors, et que les gens qui crient ça... Les écoles de supporters, les trucs de fair play, etc. Mettons de l'argent là-dedans, mais pas bien spécialement. Sûr. Il faut que cessent effectivement ces agressions. Moi, je mets les banderoles, je vous dis à part, parce que je trouve qu'il y a parfois dans les banderoles une note d'humour. Je veux dire, s'il y avait eu une affaire sexuelle entre, je ne sais pas moi, Fiorez, par exemple, avec une femme qui l'aurait rejoint à Marseille, il y aurait eu les mêmes banderoles à la con.
sont aussi cons les unes que les autres, j'y vois pas spécialement d'homophobie. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que parfois donner trop d'importance à des petites déconnades, ça rend moins fort la vraie lutte qu'on devrait avoir contre des choses plus graves. Nous, on lutte contre toutes les discriminations. On le dit clairement. Oui, mais parfois il faut mieux les cibler ces luttes parce que je pense que c'est beaucoup plus grave ce qui s'est passé à Bastia que ces banderoles qui se moquent de deux joueurs qui sont partis au même moment, dont tout le monde sait en plus qu'ils sont même pas ensemble. C'est de la pochade, de la déconnade. C'est pas de l'homophobie puisqu'ils sont même pas homosexuels. Oui, mais c'est, l'homophobie, c'est contre les homosexuels. Ils ne sont pas homosexuels. Oui, mais donc c'est pas de l'homophobie. Oui, mais c'est de la connerie, c'est de la bêtise, c'est des blagues. Oui, mais les homosexuels qui ne sont pas dans les stades vivent cela comme un propos. Non, moi je le vis très bien. Franchement, oui, aucun problème. Mais oui, arrêtez, vous, mais pas les autres. C'est bien plus important de lutter contre le racisme et contre l'agression des homosexuels dans la rue que trois banderoles pour dire que Fiorez et Dehu sont partis de PSG à Marseille, c'est de l'homophobie. Ça, c'est pas de l'homophobie. Il faut lutter contre tout. L'homophobie, c'est un homosexuel qui est agressé dans la rue par des connards. C'est pas trois banderoles au PSG. Vraiment, vraiment. Laurent, deux choses sur l'humour quand même. Vous, c'est votre métier. Il y a une grande différence entre les vannes, y compris racistes, sexistes, homophobes que font certains humoristes et ce genre de choses. C'est que dans un cas, on essaye de déconstruire les clichés pour ouvrir nos crânes et enlever les merdes qu'il y a à l'intérieur et on les sort et il y a des gens qui font ça avec talent, des profs, vous, d'autres, plein de gens qui ont fait ça pendant des années, ils ont raison de le faire. Et dans d'autres cas, c'est pas, les gens ils sortent pas la merde, juste ils la ramassent et ils la mettent sur une banderole. Et c'est pas la même chose, c'est pas. Surtout que ces supporters ils détestent, ces joueurs. Donc pour eux, c'est un cri de haine, c'est une banderole de haine. Non, ils les détestent parce que là ils sont partis à Marseille. Ah bah oui, mais et donc ils traduisent leur haine par des propos de Si l'année prochaine ils reviennent au PSG, ils vont les adorer. C'est pas de la haine, ils sont juste énervés contre eux. Voilà. Écoutez, on a ouvert un large débat ce soir, on vous remercie. Monsieur Alain Rioux, président du groupe des Verts au Conseil de Paris. Alain Rioux va s'installer aux côtés de Perry Cochin puisqu'il est l'heure d'accueillir une présidente d'un club de supporters. Je vous demande d'accueillir Michel de Zelleux. Vous êtes bien en verve aujourd'hui, hein, ça va? Ça va bien? Alors je rectifie, permettez-moi de rectifier immédiatement, je ne suis pas présidente de club de supporters, pas du tout, je suis éleveuse de supporters. Pardon. C'est quand même très différent, c'est pas la même. Hein, éleveuse de supporters en milieu rural, tout simplement, voilà. Je suis basée dans le sud de la France, hein, du côté de Dunkerque. J'ai un troupeau de... Enfin, j'ai un cheptel de 40 bêtes. Ah oui. Et je peux vous dire que chez moi, ça file droit. Hein. Donc pas de violence, pas de débordement? Ah non, alors chez moi, pas d'homophobiste, pas de racistophobe, pas de xylophone ou je sais pas quoi. Ah non, chez moi, c'est pas du hooligan qui vomit à la première binouze, qui casse du bus ou qui prolifère de l'insulte à tire-larico. Non. Non. Non, chez moi, c'est quoi? C'est du supporter d'élevage, monsieur. Ah. Voilà, du supporter bio. Élevé en plein air, nourri à la céréale d'Espagne, hein, la céréale de Madrid. Bien sûr. Un peu d'eau aussi. Merci l'ami. Bien sûr, je l'ai nourri également. Enfin, je l'ai désaltère avec de l'eau minérale de chez mon pote Marcel. C'est une eau qui est claire comme de l'eau de roche. C'est l'eau limpide de Marcel. Qu'est-ce que vous leur apprenez alors à vos supporters que vous élevez? Qu'est-ce que je leur apprends? Le BAB, hein, la base, hein, bien sûr. Donc déjà, chez nous, il y a des cours de chant, hein, pour apprendre les chants supporters. Ça vient pas comme ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et alors nous, on les chante à l'égyptienne, tout en canon. C'est une technique. Ouais, c'est plus joli dans les chants. C'est plus joli. Et après? Alors après bon, bah, je dispense des cours d'orthographe pour les banderoles parce que je me tolère, alors aucune faute de frappe. Faut pas. Alors là, vraiment, faut que ce soit à propre. Et puis ensuite, j'enseigne l'archéologie. Pourquoi l'archéologie? L'archéologie, c'est pour qu'ils sachent tout sur Jean-Michel Larquet. C'est l'archéologie. Vous les enseignez? Bien sûr. Alors, une fois qu'ils ont bien appris tout ça, j'imagine que vous les emmenez au stade pour voir les matchs. Faute! Ah bon? Vous êtes malade! Ah bon? Ah bah pas tout de suite! Je les emmène pas tout de suite au stade! Bah non, parce qu'à l'état sauvage, les supporters, c'est des sauvages! Ah oui! Ah, ça vite fait t'arracher l'oreille ou je sais pas quoi! Non! D'abord, je les dresse à la maison devant la télé. Ah ouais? Voilà! On s'installe, je les attache, je sors la bière sans alcool, et là, je leur mets des colliers électrifiés. Ah. Des colliers électriques, comme ça, dès qu'ils se mettent à gueuler, à aboyer, bim! J'envoie une décharge à l'éternel.
Et après seulement, je les lâche en liberté dans les tribunes. Voilà. Donc grâce à vous, on va avoir des supporters respectueux. Tout à fait. Non, il n'y a pas faute, c'est bon. Tout à fait. Tout à fait. Des supporters bien, bien propres. Des supporters bien... Attention, je vous cache pas qu'on a de la perte, hein, quand même. Ah, il y a des cas... Ah si, il y a des cas irrécupérables. Il y a des cons, c'est des cons. Ah bah si, il y en a, ils sont... Il y a deux, trois, ils sont corsés, attention. Ah oui, c'est des irrécupérables, ça. On est obligé de s'en séparer, ça fait mal au cœur, mais faut pas qu'ils se reproduisent, ceux-là. Ça, ça... Ah non. Ah, pour eux, pas de saillie, hein, non. Ah, rien du tout, hein. Je vais vous dire, bizarrement, mes meilleures bêtes, mes meilleurs éléments dans le troupeau, dans le cheptel, comme on dit, c'est des femelles. C'est bizarre, hein? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà. Monsieur Rio aurait pu écrire votre texte. Bravo, bravo, bravo. Bravo à Florence Forestier. Merci, monsieur. Alain Rioux, président du groupe des Verts au Conseil de Paris. Nous allons maintenant accueillir un de nos meilleurs acteurs français. Il a déjà deux Césars au compteur, pardon pour l'expression, pour ses rôles dans On connaît la chanson et Un cœur en hiver. Il est aussi actuellement à l'affiche de Un long dimanche de fiançailles, film qui cartonne actuellement sur les écrans. Vous l'aurez sûrement reconnu, il s'agit d'André Dussolier. Depuis mardi en plus, il est à la Gaîté Montparnasse, au théâtre à Paris, pour la reprise de ses deux pièces qu'il joue en alternance, une semaine sur deux, Monstre sacré, sacré monstre, et l'autre pièce, c'est Les athlètes dans leur tête. Poésie, texte littéraire d'un côté, sport de l'autre. André Dussolier sera aussi à l'affiche de 36 quais des Orfèvres, un film qui sortira le 24 novembre prochain, avec entre autres Daniel Auteuil et Gérard Depardieu. Voilà autant d'occasions pour nous d'accueillir André Dussolier. Le cinéma 36 quai des Orfèvres. Là, c'est le choc, pardon de dire ça, de deux monstres sacrés, même si vous en êtes un troisième. C'est Auteuil contre Depardieu. Et c'est vous qui êtes un peu, on va dire, l'instigateur de leur rivalité dans ce 36 quai des Orfèvres. L'arbitre qui est dans une position difficile, en effet. Parce que c'est une histoire vraie qui s'est passée dans la police il y a quelques années où il y avait le gang des postiches qui sévissait, qui attaquait des fourgons blindés. Et puis... J'adore sa voix. J'adore ça. À continuer. Dans ce film, vous êtes en tout cas le directeur de la police judiciaire et vous promettez votre poste à celui qui mettra fin à cette cascade, cette escalade plutôt d'attaques, de fourgons. C'est la guerre des polices. La guerre des polices. Regardons la bande-annonce, on en parle tout de suite après. 36 quai des Orfèvres. Sept fourgons en moins de 18 mois. Un butin qui s'élève à 2 millions d'euros. Je sais équipe, Léo. Vous l'aurez. Il va falloir quelqu'un pour me remplacer derrière ce bureau. J'ai pensé à toi. C'est Klein qui vise la place de Diallo. Klein vise le pouvoir, c'est pas la même chose. Ça veut dire que le premier qui tombe ses fumiers sera le roi. Donne-moi quelque chose, Tony. Cette équipe, je la veux avant tout le monde. Les types qui tapent au fourgon, je les connais. Mais en échange, je veux que tu me couvres. Je vais avoir besoin de tes gars. Comment t'as eu le tuyau? On laisse passer, on attend qu'ils sortent de la zone. Où il va, putain, on nous a dit de pas bouger. Denis, qu'est-ce que tu fous? Les flics derrière. Lâche ton arme, ton poulet! Toi, t'es mort, tu restes là! Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je suis pas à ta place. 36 quai des Orfèvres. Avec André Dussolier, Daniel Auteuil, Gérard Depardieu. Sophie. Ah, moi, c'est pas en principe, c'est pas du tout mon genre de film, mais c'est absolument bluffant. Il n'y a pas un instant d'inattention, c'est filmé, c'est magnifique. Il y a des gueules de mecs comme on a envie d'en avoir tous les soirs à la maison. vraiment, même on les prend par groupe de trois, parce qu'il y a Dussolier qui est le seul propre là-dedans, qui est toujours lui habillé impeccable. Si on cherche un gang, il est chez vous, donc alors. Mais je veux bien être l'otage. Il y a beaucoup de coups de feu. Il n'y a que lui qui s'en sort, toujours propre, pas un flingue, rien que tout dans le yad, la voix. Tout dans le yad, la voix qui fait vibrer la pauvre femelle que je suis. Enfin bon. Mais ça souffre à l'intérieur quand même. Et là, je sors de là, une serpillière. Enfin, j'étais. Mais vraiment un film à voir. 36 quai des Orfèvres avec Auteuil,
Depardieu, Dussolier, entre autres, un film d'Olivier Marchal qui sort le 24 novembre. Mais l'actualité d'André Dussolier, c'est aussi le théâtre. Alors, c'est assez drôle parce que là, vous reprenez ces deux prestations, parce que c'est là où vous êtes seul en scène dans les deux cas, mais c'est vraiment deux choses très différentes. Ouais. Parce que dans une des deux pièces, c'est une succession de sportifs que vous incarnez. Dans l'autre, là, c'est plus physique, hein, peut-être. Et dans l'autre, pour vous reposer une semaine sur deux. Hein, voilà. Oui, encore que ce n'est pas vraiment un repos, parce que la mémoire est mise à contribution, mais dans l'autre, c'est les monstres sacrés, c'est des poèmes, c'est des petites scénettes de théâtre, c'est une espèce de montage, un peu comme une pièce de théâtre qui serait écrite par plusieurs auteurs. Perry, vous aviez vu lequel, vous ? J'avais vu les sportifs. Les athlètes dans leur tête. Les athlètes dans leur tête, voilà. Et c'était extraordinaire. Mais entre André Dussolier et moi, c'est une très vieille histoire. Ça y est. Ah, il y en a qui ont une mais lui, moi, n'est pas être une nouvelle histoire. Mais lui n'est pas au courant. Ah. Eh ben voilà, mais c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Mais, c'est, non, c'est pas un fantasme, non. Non, non, c'est qu'elle avait un masque. C'était une soirée sadomaso. Pas du tout. C'est pas du tout ça, l'histoire. C'était il y a une vingtaine d'années. Vous tourniez un film avec Vincent Lindon. Je ne me souviens plus lequel. Et c'était en extérieur. Oui. Et un ami journaliste me dit, écoute, je dois aller les interviewer. Viens avec moi. Et donc, on est à l'extérieur, en plein air. Et vous arrivez. Et là, vous me dites, bonsoir, mademoiselle. Et moi, de ce jour-là, j'ai été emballée. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai craqué, voilà. Le chat avait 12 ans, non ? Pratiquement. Et de ce jour-là, j'ai toujours été voir tous vos films et tout. J'adore tout ce que je fais. Je veux dire que ton histoire avec André Dussolier, c'est bonjour, mademoiselle. Et voilà. Non, c'est une belle anecdote. Comme quoi, je peux aussi être platonique, Laurent, tu vois. Et... Non, non, il faut qu'il vous dise, t'en donne encore pour 20 ans, dites-lui bonjour madame. C'est quoi le plaisir de reprendre une pièce qui a très très bien marché, un an après, pour refaire exactement la même chose, le même travail? Est-ce que vous n'avez pas... Le plaisir de faire découvrir ça à d'autres spectateurs. Oui, voilà. Oui, mais non, peut y avoir un DVD, les gens qui l'ont raté peuvent le voir en DVD. Il faut lui dire avec ses mots à elle, c'est comme toi quand tu revois un ex. Non mais, c'est jamais aussi bon, je suis désolée, c'est jamais aussi bon de revoir un ex. Une casserole réchauffée, enfin une bouffe réchauffée, c'est pas forcément... Ah, non, c'est vrai, c'est du boulot. D'ailleurs, il y a des ornières, il y a même des repères, des sonorités. Il faut quand même essayer de retrouver une virginité, si je puis dire, avec ces athlètes. Non, mais vous avez tellement de registres possibles devant vous, pardon, vous auriez pu vous attaquer à quelque chose de complètement c'est parce nouveau. Que lui répondez pas, voilà. Dites-lui au revoir, mademoiselle. Mais non. C'était. Et puisque vous aimez le football et que vous êtes supporter, je crois, du PSG toujours. Oui, bien sûr, je supporte l'équipe de mon village. Oui. Est-ce qu'un jour, comme Jean Rochefort pour l'équitation, vous aimeriez qu'on vous appelle pour commenter un match de foot? Je sais bien qu'il y a des places qui se libèrent en ce moment, mais enfin. Non, mais j'adore ça, oui, j'adore ça. Je l'ai déjà fait une fois. Ah. Mais pour une radio comme ça, mais oui, j'aime bien. Ça me permettrait d'aller, ce que j'adore, dans les coulisses du sport et de savoir des petites choses qu'on a envie de révéler au public. En général, je trouve les commentateurs un petit peu timides et réservés et nous disons pas assez de choses. Moi, j'aime bien. Annie Lemoine vous regarde avec des yeux ronds. Alors ça m'épate, parce que si vous trouvez les commentateurs timides et réservés, c'est tellement votre nature, vous, d'être réservé, d'être en dedans, comme ça, d'être quelqu'un très... Mais moi, je me demande si vous n'avez pas besoin, et si vous n'avez pas le fantasme de quelqu'un qui vous décoifferait, qui vous rentrerait dedans, qui vous ferait sortir... Bien sûr. Je parle d'un réalisateur, ou peut-être d'une femme, effectivement, d'une réalisatrice. Oui. Vous voyez, qu'il vous fasse un peu voler en éclat. Tout à fait. Allez, tout à dites-moi, fait. Oui. C'est ce qu'on rêve de faire. Je pense que... Alors, tous les acteurs se plaignent de ça, toujours d'être un petit peu catalogués et tout. Mais il faut trouver les rôles, il faut qu'il y ait les metteurs en scène qui vous fassent confiance là-dessus. Mais vous êtes client. C'est pour ça que j'ai envie, je suis acteur pour ça, justement, pour me décoiffer. Vous n'en avez pas marre qu'on vous fasse tous ces compliments, toutes ces femmes se pâment devant vous, vous êtes beau, vous J'attendais êtes célèbre, que vous interveniez pour, justement... Vous jouez que dans des pièces qui marchent, où c'est le cerveau qui... Vous n'avez pas envie de devenir une brute épaisse, un imbécile total dans une pièce? C'est pas quelque chose d'un peu violent? Non, mais dis-toi une chose, c'est que nous, les femmes, on est beaucoup plus subtiles que ça. On imagine qu'il pourrait être un peu brut, épaisse, s'il le faut. Stevie ? Pour moi, c'est pas André Dussolier, pour moi, c'est l'enfant de cœur. Ah ! Alors, pourquoi ? C'est dans cette question. Je sais pas. Lancez-vous, on verra après, on fera le tri. Je sais pas, pour moi, cet acteur, que j'adore au passage, parce que c'est vrai que c'est acteur. Je sais pas,
il est toujours en train de travailler. Le soir, il est au théâtre. La journée, il tourne. Quand il tourne pas, je suis sûr que c'est quelqu'un qui est plongé dans sa bibliothèque, dans ses livres. Mais à part ça, est-ce que vous prenez des vacances? Est-ce que vous vous reposez? Est-ce que vous aimez ne rien faire, tout simplement? Oui, j'adore ça. J'adore être dans ma chambre, regarder le plafond. C'est là que je travaille le plus, le mieux. Dormir. Comme tous les grands travailleurs, sont des paresseux. Oui, ça commence par le rêve. Mais évidemment, évidemment. Annie Lemoine, vous avez vu aussi, hein, je crois, dans les ouais, athlètes dans leur tête. Moi, j'ai vu les athlètes. Votre serviette a beaucoup de chance. Ah, la serviette est l'accessoire. Ah, c'est un, il joue avec la serviette. Oui, non, c'est vrai. Restez avec nous quelques instants. On a des disques à vous proposer. Jean-Bernard Hébé va vous livrer quelques commentaires. Le premier, vous connaissez forcément, c'est Dean Martin. Alors, c'est une réédition, j'imagine. L'essentiel de Dean Martin. Jean-Bernard, on regarde d'abord quelques images. Oui. C'est parti. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. When the stars make you drool, just like a pasta puzzle at some amore. When you walk down a street with a cloud at your feet, you're in love. Alors, d'abord du Solier, votre avis, vous. Magnifique. Là, c'est un concurrent énorme. Avec Sophie, c'est fini. Je l'ai vu tout de suite se pâmer. Mais c'est mais sûr, c'est bourrus. Une voix. Oui. Et puis là. Alors, Jean-Bernard, ça vaut quoi, ça? Ah non, ça vaut un 20 sur 20 si on aime Dean Martin, qui était quand même un pochetron total, qui n'est jamais rentré en scène sans un verre, qui est mort d'ailleurs d'alcoolisme, mais qui était une petite frappe italienne qui a sublimement bien réussi, qui avait un succès auprès des femmes extraordinaire. Je vais vous faire une confidence. Vous n'aimez pas ça? Si, mais 20 titres, bout à bout, c'est un peu beaucoup. Une impression roudoudou à la fin, comme quand on va à la foire à Neuneu et qu'on mange un petit peu trop de barbapapa. C'est un peu écœurant. Mais quelques titres disséminés comme ça, c'est sublime. Évidemment, Everybody Loves Somebody. Bon, évidemment, ça ne peut que plaire. Je vous le donne. Ah sans... non, enfin, tu non. Le donnes. Ah oui, il faut le donner. En un mot, les copains. Un mot, chacun. Ah, moi, j'adore. Ouais. Sans problème. Parfait. Moi, je suis entièrement marqué, ça se voit. Vous connaissiez? Oui, je connaissais, mais le premier morceau qu'on a entendu. Moi, j'aime bien ce morceau-là, mais le reste, j'ai un peu de mal. Ça dépend des chansons. Annie Lemoine. C'est peut-être une voix, mais c'est surtout un physique, quand même. Autre disque, Best of Blue. Ça, je ne sais pas si vous connaissez André Dussolier. Jean-Bernard Hébé, deux mots avant de voir un clip. Alors oui, c'est un boys band anglais. Le problème, c'est qu'il chante très très bien des choses totalement inintéressantes. On regarde. Ce sont les petits protégés d'Elton John. Techniquement, il y a un truc qui me gêne beaucoup. J'ai regardé de près le disque, comme d'habitude, et quand on regarde le petit booklet qui est à l'intérieur, on a l'impression de voir, vous savez, ce qui est distribué par les mannequins, on les montre sous toutes les façades, ouais. À quoi ils ressemblent. Donc, ce qu'on met en avant, ce n'est pas leur façon de chanter, mais c'est comment ils sont habillés, comment ils ont le bon t-shirt, le bon truc. C'est un boys band. En plus, autre truc bizarre... Bon, sur en fait, t'aurais pas dit ça si c'était des photos de filles. Si, j'aime pas plus. Hein. Bon, regarde Noel Wayne, Laurie. Enfin, pas Laurie, mais que j'aime bien, mais les autres, c'est la même chose. Ça vous a échappé, Laurie. Oui, ça m'a échappé. Vous le pensez, mais comme c'est une copine... Il y a un truc qui m'énerve beaucoup, c'est que... C'est que Laurie pense que c'est vraiment un chien, mais c'est la fille d'un copain à lui. Hein. Pas non plus. Ils mettent une photo d'eux. Pas juste. Alors on passe au Destiny's Child. Déception totale. Beyoncé, l'extraordinaire Beyoncé Knowles, les extraordinaires Destiny's Child, ce que j'adorais. Viennent de faire un album. D'abord, il y a un truc que je supporte pas, c'est que, alors qu'elles prennent des tonnes d'argent, je veux dire, elles ont vraiment pas besoin de ça, elles vont se maquer, si je puis dire, avec un fournisseur de fast-food qui tue la planète entière. Elles appellent leur album Fulfilled, ça veut dire pleine, qui est exactement la publicité de ce fournisseur. Et le disque, en plus, n'est pas bon. Et j'en suis désolé parce que c'est une bonne chanteuse, c'est une jolie quand même, fille. Hein. Oui, on peut regarder. Ah bah ça, à regarder, c'est mieux qu'à écouter. Un court extrait. Baby,
Stevie, lui, il aime ça, évidemment. Ah, moi, j'adore. Ouais. J'adore. Bon, c'est, certes, elles ont fait un tube là, mais bon, tu peux pas comparer. Ça, attends, quand tu prends toute la carrière, je veux dire, il y a quand même je ne sais pas combien de tubes mondiales. Mondiaux. Mondiaux. Oui, mais il n'y a qu'une planète mondiale. Il fait la grammaire, Stevie. Il a c'est ça qui est formidable. Maintenant, c'est ça mon truc. Hein. Ah non, mais il a réponse à tout. Ouais. Ça, je vais te dire, j'aurais pas voulu être son prof, parce que mondial, pas mondial, il n'y a qu'une planète, monsieur. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, alors? Rien, faut voilà. Foncer. Bah, il faut choisir, André Dussolier, si vous devez prendre un seul CD, oh, lequel des trois? Ah, oh, bah oui, c'est un peu facile, là, Dino Martin, Dean Martin, bien sûr. Allez, on vous offre Dean Martin. Et comme ça, Stevie pourra repartir avec les Destiny's Child. Les Destiny's Child sont en concert à Bercy le 28 mai 2005. Il faut réserver dès maintenant. Pour André Dussolier, il faut réserver aussi. Il reste des places quand même pour les 60 oui, dernières. Il reste des places. Au théâtre de la Gaîté Montparnasse pour un des deux spectacles ou les deux. Hein, on peut acheter un billet commun pour les deux spectacles, Les Athlètes dans leur tête ou Monstres Sacrés. Et puis n'oubliez pas 36 Quai des Orfèvres avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu. Un film d'Olivier Marchal qui sort le 24 novembre. Quelques minutes encore avec nous. C'est pas fini, André Dussolier. C'est l'heure du Qui a déconné. Bon, ça n'a pas beaucoup changé hein, en tête de notre classement. Charles Pasqua, toujours suivi par Philippe Douste-Blazy, Jean-Pierre Raffarin, Sarkozy, Schwarzenegger, qui est en 5. En 6, derrière Schwarzenegger, l'entraîneur du PSG. Ah, pardon, André Dussolier. Madame Girardin, qui s'occupe de l'outre-mer. Derrière, le président Chirac en 8. Jean Pascal en 9. Oh, j'étais mal l'autre jour, je l'ai croisé à l'aéroport, je me cachais. Je disais, c'est pas moi qui a déconné, c'est pas moi. Et Alain Juppé en 10. Schwarzenegger, je vous en ai parlé. Pourquoi je vous le repropose ce soir? Parce que ça y est, c'est fait. Il y a toute une campagne aux États-Unis pour inciter les Américains, les hommes politiques américains, à changer la Constitution de manière à ce que cet homme né en Autriche puisse peut-être un jour se présenter à la Maison-Blanche, puisque pour l'instant, il faut être né sur le sol américain pour pouvoir postuler pour le titre de président des États-Unis. Il a déjà changé sa Constitution à lui, mais avec de la gonflette. Est-ce que la gonflette marchera pour la Constitution américaine? Et est-ce que c'est une connerie à 0, 10, 20 ou 30 points, Péricochin? Je lui mets que 10, oui. Parce que d'accord, il embrouille, mais je trouve que c'est normal qu'il puisse vouloir. Mais quoi? Attends, mais essaye d'accord, de comprendre ce que okay, je veux okay, dire. Okay. Mais, bon. C'est pas clair. Vous avez bien fait de pas aller plus loin avec elle, vous savez. Dites quoi, Stéphane Potra? Ah, zéro point et on a laissé jouer un rôle politique important. Il a le droit de se présenter à la présidentielle. Parfait. 10 points, la chance pour tout le monde dans un pays comme les États-Unis, mais pas tellement pour Schwarzy. Jean-Bernard Hébé. Voilà. 10 points, enfin non. 0, pardon, parce qu'il affronte les lazis du monde entier, il le fait avec dignité et il peut peut-être gagner. 30 points, j'ai une prière pour le peuple américain, s'il vous plaît, pas lui. Stevie. Moi, 30 points, il me fait peur. Et parfait. Les Autrichiens m'inspirent pas plus que ça. C'est les Autrichiens. André Dussolier, pas facile. Hein. Solidarité, c'est pas facile, hein, je vais mettre 10 points. Parce que s'il ouvre une brèche, peut-être, parce qu'un Français peut devenir président. Ah, c'est pas bête. Hein. Sarkozy pourrait peut-être aller ça là-bas. Pourrait arranger les rapports avec les États-Unis, on ne sait jamais. C'est une vraie bonne idée. C'est une bonne idée. C'est pas une bête idée. Ça, 10 points seulement, ça fait un total de 90. Il est dans le trio de tête grâce à vous ce soir. Alors j'ai un autre nom, c'est le baron Ernest Antoine de Seillet. Il a déjà 140 points lui dans notre classement, là il est au milieu, on peut le faire remonter, c'est à vous d'en décider. Pour une phrase parue dans Le Monde il y a quelques jours, reprise par Le Canard Enchaîné, voilà ce qu'il a dit, le baron, il a dit « Nous sommes plus importants que les autres », il parle des patrons évidemment, « parce que c'est nous qui faisons la richesse, l'emploi et la croissance ». Et bien là, moi, j'ai envie de le dire, et c'est rare pour lui quand on dit ça, pauvre baron. Hein? 0, 10, 20 ou 30 points? Franchement, phrase débile. 30 points. 30 points aussi, c'est pas une phrase débile, c'est sa pensée profonde et c'est scandaleux. Sophie? 30 points, parce que si les pauvres travaillaient pas, ils n'auraient pas de pognon. Pour avoir le culot de dire une partie de la vérité. Voilà. Non, je venais vérifier ce qu'il allait dire. Il a mal voté. Je vais faire la démocratie. Alors, parce qu'il a piqué le discours de d'Arlette Laguiller, c'est elle qui a dit « C'est nous qui faisons la richesse, l'emploi et la croissance » et parler des travailleurs. Ah, pas bête. Moi, je mets 10 parce qu'entre Arlette Laguiller et lui, il y a un peu de vrai dans, des deux côtés. Ah, voilà. Voilà, il faut tout pour faire un ensemble. Bien une marge, voilà. Alors, je veux mais dire... Mais bon, c'est les patrons qui embauchent, c'est pas les employés, vous voyez. Et les employés, ils donnent leur force de travail aux patrons. Mais oui, c'est ce que je te dis, l'union fait la force. C'est affreux.
André Dussolier, pour terminer. 30 points, parce qu'il y avait déjà eu un prédécesseur aussi qui avait été assez cynique, hein, je crois, un patron important. Là, c'est une phrase qu'il a rêvée, il n'a pas pu penser ça. Si. Ah si, si, il l'a même dite. Non, non, franchement, ça énorme. Fait un total pour M. Seyer de 160. André Dussolier au cinéma dans 36 Quai des Orfèvres, au théâtre à la Gaîté Montparnasse, Courrézy. Merci André. Merci. Bon week-end sur France 2.